Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde passionnant d'un si grand soleil, avec un aperçu exclusif de l'épisode 1313 de la saison 6, diffusé le 8 janvier 2024 sur France 2. Dans cet épisode, nous verrons des rebondissements inattendus et des moments émouvants. Estelle va révéler une décision cruciale à Guillaume, tandis que Tom prend une décision difficile concernant sa relation avec Nora. Margot savoure un moment de détente, et nous verrons aussi des développements surprenants concernant Guillaume, Robin, Meva et bien d'autres. Restez avec nous pour découvrir ce qui attend nos personnages préférés dans cet épisode palpitant. Margot savoure un moment de détente matinale dans la piscine, et Cécile, sa sœur, est heureuse de l'avoir épanouie. Margot se félicite d'avoir osé entamer une relation avec Hakim. Pendant ce temps, Élise remarque qu'il manquait d'un appartement, prévoyant de vivre en Seine-et-Marne avec Margot. Intriguée par le changement d'attitude de Margot, Élise conseille prudemment à Hakim de rester mesuré, au cas où Margot changerait d'avis. Claudine suggère à Margot de prendre la place de Guillaume pour un séjour professionnel aux USA, nécessitant seulement de modifier le nom sur le billet d'avion. Bien que n'étant pas avocate, Margot, qui maîtrise l'anglais grâce à ses études à Londres, accepte l'offre de Claudine avec gratitude. De son côté, Robin organise une excursion de plongée en Égypte avec Meva, qui semble tendue au lycée, surtout en présence de Tom. Plus tard, Tom prend la décision de rompre avec Nora, expliquant qu'il ne peut plus feindre ses sentiments. Il insiste sur le fait que le problème vient de lui et non de Nora, qui est submergée par l'émotion. Tom, désolé, lui présente ses excuses. Achille, quant à lui, vient consoler Nora, ne comprenant pas l'attitude soudaine de Tom. Il encourage Nora à ne pas douter d'elle-même, la rassurant sur sa valeur. Karine et Estelle se rencontrent dans un bar où Estelle confie vouloir prendre son temps avec Guillaume, aspirant à débuter par une relation normale. Elle admet penser encore à Hakim, mais est bouleversée quand Karine lui révèle que Hakim est retourné avec son ex. Estelle, bien que choquée, remercie Karine pour sa franchise, estimant que cela l'aidera à tourner la page, même si elle se sent un peu stupide. De son côté, Margot informe Hakim de son départ imminent pour Los Angeles à la demande de Claudine. Hakim l'encourage à profiter pleinement de cette opportunité exceptionnelle. Tom, quant à lui, retrouve Meva au lycée et exprime son désir de la revoir. Meva, cependant, tempère ses ardeurs, rappelant que leur échange n'était qu'un baiser. Guillaume, enthousiaste, montre à Johan la bague qu'il a achetée pour Estelle. Johan trouve la bague magnifique, et Guillaume lui confie que Estelle est en fait sa masseuse et qu'il a été immédiatement charmé par elle. Evan, Chloé, Robin et Meva se réunissent pour discuter de leur voyage. Meva partage que ce sera son premier vol en avion et ils envisagent de planifier des excursions. Pendant ce temps, Tom tente de contacter Meva sans succès. Il lui laisse un message, affirmant que leur baiser n'était pas anodin, et qu'il sait qu'elle ressent la même chose. Robin exprime à son père sa frustration en lui disant qu'il a été trop insistant avec Meva, mettant cette dernière mal à l'aise avec ses questions. Chloé, quant à elle, pense que Robin est simplement inquiet à l'idée que Meva ne se sente pas à l'aise. Pendant ce temps, Meva, en écoutant le message de Tom dans le tram, semble distraite et perdue dans ses pensées. De leur côté, Yann et Johan sont devant la télévision, mais Johan n'est pas d'humeur à regarder un film. Elle se montre préoccupée par la situation de Guillaume, trouvant son amour pour Estelle irrationnel. Johan exprime également sa crainte que Guillaume soit manipulé par Estelle, suspectant que cette dernière ait pu influencer ses pensées. Finalement, Guillaume a un rendez-vous avec Estelle le soir même. Lors de cette rencontre, Estelle lui confie qu'après mûre réflexion, elle accepte sa proposition de mariage. Leur conversation se conclut par un échange de baisers. Et voilà, c'était notre aperçu de l'épisode 1313 d'Un si grand soleil. Quelle fin incroyable! Estelle accepte finalement la proposition de mariage de Guillaume, concluant leur rencontre sur un échange de baisers passionnés. De l'autre côté, nous avons vu Tom et Meva face à leurs sentiments compliqués, et la décision de Margot de partir pour Los Angeles. Comment ces histoires vont-elles évoluer? N'oubliez pas de regarder l'épisode pour découvrir la suite de ces intrigues captivantes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines analyses d'épisodes. À bientôt pour de nouvelles aventures d'un si grand soleil.